cet après-midi, j'ai fait le tuto des coquilles Saint-Jacques que j'ai décorées à ma façon. Et Sandrine de la chaîne, les tutos de Sandrine, Drine, oh, je sais jamais. Donc je l'ai fait. Et voilà, j'espère que vous verrez quelque chose parce que là, on est au faux jour. Donc c'est horrible l'éclairage. Voilà, sur ce, je vous fais voir tout de suite. Avec une coquille Saint-Jacques décorée. Donc je vais faire le tuto pour Sandrine qui me l'a demandé. Donc je vais essayer de refaire une coquille Saint-Jacques qui sera pas tout à fait pareil, mais pour lui faire voir comment j'ai fait tout simplement. Alors je prends une coquille Saint-Jacques. Et j'ai dédoublé une serviette en papier. Voilà, j'ai dédoublé la serviette. J'ai pris le papier de dessous, le papier blanc très fin. Je l'ai scotché sur une feuille. Bon, où suis-je ? J'ai mis du scotch autour de ce papier de serviette, là, de cette doublure. J'ai mis du scotch et j'ai choisi une photo que j'ai imprimée. Voilà, donc c'est très très fragile. Mais je vais faire en sorte d'essayer de pas déchirer trop la photo, quoi. Alors là, je décolle. Délicatement une des deux photos. Il y en a une qui va être sacrifiée. Voilà. Donc je me retrouve avec une photo comme ça sur un papier très très léger. Et cette photo, je vais venir la coller dans la coquille Saint-Jacques. Donc je vais découper le tour. Je découpe à base ce que je veux pas. En fin de compte, je garde que ce que je veux. Là, je vais garder les fleurs. Donc là, la photo est donc dans la coquille Saint-Jacques. Alors je vais mettre du vernicole. Enfin, on n'est pas obligé de mettre du vernicole, on peut mettre ce qu'on a, hein. Moi, il me restait du vernicole, donc je prends le vernicole. Voilà. Et à partir de là, je mets du vernis sur ma coquille Saint-Jacques. Je mets du vernicole sur la coquille Saint-Jacques, à l'intérieur où je vais mettre la photo. Alors, il faut bien en mettre dans les petites rainures, bien entendu, hein. Là. Donc j'ai fait ça. Alors ensuite je vais placer, c'est là le plus délicat, je vais placer la photo ici. Et
après délicatement. Très délicatement parce que c'est vraiment très fragile. On pose donc la photo dans le et alors après, quand j'ai posé la photo là, je mets une petite couche d'acrylique gloss. Alors là, j'en mets un petit peu, je vide un petit peu sur la coquille et pareil, très délicatement pour finir de coller la photo, j'en passe dessus. Alors ensuite, j'avais une plaque comme ça avec des petites avec des fleurs. Donc je vais découper des fleurs que je vais mettre de ma petite boîte.